Cool, moi j'étais archi content d'être là et de pouvoir ouvrir ce festoche. Donc moi, on m'appelle Polo, aka Mr. Groove. Par contre, tout vient du beatbox, quoi. Ouais, j'ai commencé par le beatbox il y a 7 ans et ça m'a entraîné dans ce que j'aime appeler une frénésie de pratique instrumentale, quoi. J'ai eu envie de toucher plein d'instruments les uns après les autres. On peut tout aussi bien faire une batterie. Voilà, remplacer une batterie d'équipement que faire de la trompette. Voilà, que faire des scrats. Et je trouve que moi je pense honnêtement que le beatbox c'est un peu la. Ouais, je vais être franc, la discipline un peu ultime, quoi, musicale quelque part, parce qu'on parle de la musique, ça englobe énormément de choses, à savoir les rythmiques vocales, mais aussi toutes les techniques de chant traditionnelles actuelles, mais aussi tout ce qui est bruitage, ce qui est imitation. Alors qui connaît ce son ? Ça c'est ce que je préfère, pouvoir du coup faire une ligne mélodique avec ton instrument, une ligne rythmique avec les lèvres et une ligne mélodique chantée. Je pense que les choses peuvent bouger parce qu'au fond on est dans une certaine vague et le beatbox plaît quand même aux gens. Le peu de passage télé qu'il y a, le peu de passage médiatique, généralement les gens accrochent bien, ça fait quand même de la vue sur YouTube, tout ça. Après, il faut qu'on veille à bien crédibiliser le beatbox en termes de musique. Voilà, c'est important.